dernier combat. Toutes les bonnes choses dans la vie ont une fin. Pour tout être humain, il y aura un dernier jour de repos, un dernier appel, une dernière supplique. Les hommes ne sauront pas voir cette dernière opportunité quand elle se présentera à eux. Ils seront tous absorbés par leur petite routine, ne sachant pas que la décision finale et irrévocable est imminente. Ils passeront ce dernier jour aussi insouciant que pendant les jours précédents, et alors apparaîtra une nuit obscure, sans aucune étoile, à laquelle l'aube ne mettra pas fin. Le soleil se sera levé pour la dernière fois pour les habitants. Hey les gars, vous avez vu ce qui s'est passé? Diego, s'il te plaît, viens. Il faut que je te parle. Tout le monde est déjà au courant. On ne parle que de ça aux nouvelles. C'est là, dans les journaux, à la télé, sur Internet. Raconte, Carlos. Le décret dominical, il a déjà été approuvé par le Congrès américain. On est cuit. Non, au contraire. Ce sont de très bonnes nouvelles. En fait, est-ce que le décret dominical n'est pas un signe du retour de Jésus? C'est oui, vrai? Oui, mais que fait-on de nos amis? Comment vont-ils réagir? Hé, hey, Thiago, pourquoi n'organise-t-on pas une réunion chez toi ce soir? Bonne idée. Comme ils ça, vont on pourra parler du coup, à la ferme. Une bonne idée, je crois. Alors, il faut tous les prévenir. Les gars, hé, les cours. Oh, avec tout ça, je peux pas me concentrer sur mes cours. Merci. Pas d'absent, d'accord? On y va. C'est d'accord, on se voit ce soir chez moi? Ne t'en fais pas, je préviens tout le monde. Allez, salut c'est tout parfait, le monde. Les gars. Tout d'accord, hein, Claudia? Laisse-moi répondre. Allô, maman, s'il vous plaît. Allô? Est-ce qu'on t'a prévenu? Claudia, comment vas-tu? Oui, j'ai vu James pendant le déjeuner. Il m'a dit pour la réunion. C'est très important que tu sois présent. On va étudier la question du décret dominical.
Je pense que c'est arrivé hier. Mais les journaux n'en ont parlé que ce matin. Non, c'est simplement que personne ne va savoir quoi faire. C'est pourquoi on a décidé ça. Est-ce que le pasteur est au courant? Bien, le pasteur, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Bien alors, je te vois ce soir. Ciao. Ciao, ciao. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend. Dans ces moments très difficiles, je ne prie pas pour moi-même. Non. Je prie pour mon fils. Si vulnérable, si beau. Il représente tout pour moi. Prends-le dans tes bras, plein d'amour. Je pense que j'ai prévenu tout le monde. Que va-t-il nous arriver ? Lucas, c'est vraiment très important. Si j'étais à ta place, j'irais. Ne sois pas stupide, Beto. Parce que les Américains ont décidé d'observer le dimanche, plusieurs États d'Amérique appliquent déjà cette loi depuis des années. Oui, mais maintenant c'est national. Et ça va être copié par toutes les nations de la Terre. C'est prophétique et tu le sais. Lucas, il y a plus de 100 ans que Dieu a révélé que les États-Unis cesseraient d'être le pays de la liberté religieuse. La situation deviendra très difficile. C'est un non-sens. Le dimanche est observé dans le monde entier. Et cela ne représente pas une atteinte aux droits de l'homme. Mais maintenant c'est différent. Maintenant, il y a une loi nationale qui oblige à observer le dimanche comme le jour du Seigneur. Personne ne peut travailler le dimanche. Personne. Repos absolu. Mais c'est pas ça le vrai problème. C'est quoi alors? Devoir travailler le samedi. Ah. La loi exige une semaine de travail de 6 jours. La semaine de 40 heures et de 5 jours ouvrables est abolie à jamais. Ça n'existe plus. Ah. Tu as simplement peur de travailler plus, mon ami. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je sais, je plaisante. Écoute, si tu changes d'avis, la réunion est à 8 heures, chez Thiago. Chez Thiago? Quoi, ça te pose un problème? C'est que... je pense qu'il est trop fragile à mon goût. Souviens-toi, il y a des cicatrices qui restent toute la vie. Mais bon Dieu, rien n'est impossible. Lucas, personne n'est allé trop loin au point de se perdre. Lucas, tu devrais aller à cette réunion. Seigneur, c'est si bon de contempler la nature, de voir ton pouvoir dans chaque détail de ta création. Mais aujourd'hui, je suis si préoccupée. Le moment de mettre notre foi à l'épreuve est arrivé. Et ma foi est si petite. Serais-je capable d'affronter ça? Je suis heureuse, car ce décret qui ordonne que le dimanche soit observé est un signe de retour de Jésus. Nous avons attendu cela pendant des années. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de ma faiblesse.
Donne-moi la force, Seigneur. Prends ma main. Protège mes amis et moi-même. Que tout le monde comprend ce que les prophéties disent à ce propos. J'ai compris que le décret dominical que les États-Unis viennent d'adopter respecte une prophétie que Dieu nous donna il y a plus de 100 ans. Ok, ce que je ne comprends pas, c'est pas l'histoire du signe. C'est très simple. L'esprit du prophète dit que le siège de Jérusalem par l'armée romaine sera un signe aux chrétiens de s'enfuir. Le décret qui déclare l'observation du dimanche comme journée dominicale aux États-Unis sera le signe aux enfants de Dieu de quitter les grandes villes pour aller vers de plus petites. Ceci est une étape de préparation pour fuir la solidarité sur Terre et les endroits isolés. Ça me semble difficile à croire. Pourquoi dois-je m'enfuir si le décret a été adopté aux États-Unis? Nous sommes au Brésil. C'est parce que la prophétie nous assure que toutes les nations vont suivre l'exemple américain. Oui, vu la manière dont les Brésiliens imitent les Américains, tôt ou tard, cette loi sera appliquée ici. Les gars, c'est une question de foi. Dieu envoie un avertissement. Le temps est venu. Et seuls ceux qui croient voudront obéir. S'enfuir, c'est stupide. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont nés et qui ont grandi et qui vivent dans les grandes villes alors? Oui, il y a des gens qui dépendent des villes pour vivre. Leurs racines, leurs affaires, ils sont établis depuis des années. Un jour, Dieu invita Abraham à quitter la cité de Ur. Il avait à cette époque 75 ans et avait des racines dans cette ville. Il s'en allait sans même savoir dans quel endroit il allait. De plus, je pense que la femme de Lot pourrait être un bon exemple pour nous. Dieu leur demanda de s'enfuir de Sodome sans regarder en arrière. Mais l'amour pour ses biens, qu'elle désobéit les ordres de Dieu. Et vous savez ce qu'il est, dit la Bible, elle devient une colonne de sel. Elle perdit sa vie par amour pour les biens matériels qu'elle abandonna dans la ville. Mais ceci arriva à la femme de Lot. Vous ne pensez pas que cette histoire va se répéter? Pas de la même manière. Mais c'est tout à fait possible. Le principe est tout à fait le même. Regardez, si Dieu nous envoie ce signe, nous devrions lui obéir. Tous les chrétiens qui ont quitté Jérusalem quand l'armée romaine l'occupa ne périrent pas pendant la destruction de la ville. Et quand l'armée romaine abandonna mystérieusement le siège, ils purent s'enfuir vers la région de Péréa où ils vécurent en sécurité. C'est très clair. Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent, toujours. Mais si tous les enfants de Dieu quittent les grandes villes, qui prêchera la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Jésus? C'est vrai? Bonne question. Les gars, tout le monde ne pourra pas partir. Vous savez tous très bien que j'ai un bébé. Mon mari n'est pas chrétien. Je ne pourrai pas partir maintenant. En ce qui concerne prêcher la parole de Dieu, je pense que les médias la propageront. La vérité que le samedi, le septième jour, est le vrai jour sanctifié par Dieu, et le signe entre lui et son peuple sera vraiment reconnu, que chacun aura l'opportunité de décider. Oui, c'est logique. C'est là que Révélation 18 entre en jeu, quand Dieu invite son peuple à abandonner Babylone. Sortez de la ville,
mon peuple, afin que vous ne partagiez pas ses péchés. Tous. Tous. Tous devront décider. Accepter Jésus et le jour qu'il a choisi comme jour du Seigneur, ou sanctifier le dimanche et recevoir le signe de la bête, et malheur à tous ceux qui s'écartent de Dieu. Ce n'est qu'un tas de bêtises. Tu connais tout ça, Lucas. Ma mère est une plaie. On ne dit pas ça. C'est pas mon truc. Je ne veux obéir qu'à Dieu. Les gars, les signes sont là. Il ne faut plus perdre de temps. Le confort, la maison, la voiture neuve, l'appartement, l'université. Qu'est-ce qui peut bien avoir de valeur comparé au royaume de Dieu ? Ce gars est fou. Imaginez tout abandonner. Et pour faire quoi ? Tu devrais faire pareil. Il faudrait mieux de m'enfuir, sinon je suis un homme mort. Qui veut me suivre ? Moi. Moi aussi. On doit s'organiser. Tu ne nous rejoins pas ? Je ne pense pas. À mon avis, ce que vous faites est de la folie. Vous gaspillez toutes les opportunités de la vie. Gilbert. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Je dois réfléchir. Je pense que je vais attendre aussi pour voir ce qui se passe. Après, je déciderai. Peut-être que rien de tout ce que vous dites n'arrivera. C'est vrai. Jusqu'à présent, je n'ai entendu qu'un tas de stupidités. Mais pourquoi ? Parce que je pense que tout ceci est vraiment une affaire personnelle. Chacun doit décider. Cette affaire du samedi, de s'enfuir, du dimanche, c'est insensé. Mais Lucas, la prophétie parle de cela avec une grande clarté. Dieu nous a montré ce qui se passerait et la décision que nous devrions prendre. Et ceci fut pris il y a très longtemps. Je n'en crois pas mes oreilles. Nous sommes au 21e siècle. Et vous me parlez de prophétie. Regardez, je suis dans une très bonne phase de ma vie. Et vous savez quoi ? Je ne crois plus en la Bible. Tout est relatif. La vérité n'existe pas. Chacun, chaque groupe d'hommes crée sa propre vérité. C'est pourquoi chacun doit être évalué. Profitons de la vie, mes amis. La vie a été faite pour être vécue. Le monde ne va pas du tout finir. Il ne finit que pour ceux qui meurent. Vous ressemblez à un tas de vieux retraités qui n'ont rien d'autre à faire que de renifler la brise. Lucas, tu ne devrais pas parler comme ça, tu sais. Pourquoi ? Tu veux me faire taire ? Quelqu'un vient avec moi ? Et toi alors ? Tu viens ? Attends, Lucas, ne pars pas ! Je suis fatigué de toutes ces salades de religion. Ne pars pas. Comment ça, ne pars pas ? Et qui es-tu pour me dire où je dois aller ? Tu crois que tu nous as piégés, petit malin ? Allez, monte, vite. Thank you.
Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? De quoi as-tu peur, petit? Quel est le problème? Ce n'est pas de ma faute. T'as vu combien nous sommes? Les autres ont été pris à cause de ton imbécilité. J'ai toujours dit que j'avais pas d'expérience. Si tu veux travailler avec nous, il faut être un homme. Qu'est-ce qu'on fait de lui, chef? Je sais pas. Je pense qu'on devrait le liquider. Je m'en occupe. Non, une minute. Donnons à cet idiot une autre chance. Une seule. À moins que tu préfères crever. Non. Alors je te charge d'une mission spéciale. Qu'en penses-tu? J'accepte. Voilà une bonne idée, petit. Celle-ci n'est pas aussi difficile que la première, mais elle est vraiment très importante. Une partie de notre marchandise a abouti par hasard dans les mains étrangères. Marchandise importante. Beaucoup de valeur. Tu vas le récupérer. Tout seul. D'accord? Maintenant, à toi d'attribuer l'importance et la sécurité que mérite cette mission. Voici un plan où est la marchandise. Donne-moi la clé. Tu y vas seul. En moto. Personne ne va suspecter cette petite passe d'ange, hein? Allez, vas-y, et ne reviens que quand la mission sera terminée. T'as entendu le chef? Allez, hein? Couille-toi, dégage! Jamais cru que cela arriverait si rapidement. Le décret dominicain? Oui. Il a été approuvé au Brésil. Par une majorité absolue lors du Congrès national. Oui, la planète est devenue un village. Dans quelques jours, le monde entier sera branché sur cette question. Comment nos frères vivent-ils dans les autres pays? Je n'en sais rien. Je sais seulement que quand la loi est passée, la persécution de ceux qui obéissent à Dieu a commencé. C'est vrai, on a bien fait de se fier au signe qu'il nous a envoyé. Venir ici dès que le décret dominical est sorti aux États-Unis nous a permis de fuir la pression de la persécution. Ils vont finir par savoir que nous sommes ici. Ça ne va pas tarder. Ce sera alors le moment d'aller vers des endroits solitaires, isolés du reste du monde. C'est la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit prêt. À ce stade des événements, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. C'est pour notre religion ? Le problème n'est pas vraiment votre religion, c'est l'intransigeance de votre religion pour observer le samedi. Le samedi est le vrai jour du Seigneur. On ne peut pas travailler ce jour-là.
Je ne veux pas discuter les problèmes de religion avec vous. Vous devez travailler le samedi. J'ai reçu des ordres clairs. Dorénavant, cette compagnie et toutes les compagnies du pays auront des horaires normaux de travail le samedi. Si vous ne travaillez pas ce jour-là, je devrais vous licencier. Le repas est servi. Tu as finalement reçu ta carte? Je l'ai reçue. Pas mal du tout. J'ai dû renvoyer la mienne, papa, pour changer la photo qui était nulle. Et quand vas-tu la recevoir? Ils disent que dans une semaine, ils la mettront en courrier. C'est parfait. Quelle bonne idée. Avoir seulement une carte au lieu d'un livret comme avant. C'est mieux. Et attends, c'est pas fini. Bientôt, cette carte sera remplacée par une puce qui sera placée sous la peau. Et toi, Claudia, tu l'as reçue? Non, papa, Claudia respecte le samedi. Alors je vous fais mes adieux, parce que ma conscience ne me laisse pas rompre le jour du Seigneur. Et moi aussi. Et toi alors, Pedro? Claudia, tu te rends compte des conséquences de ne pas avoir ce document? Les anciens n'en sont plus valables? C'est le nouveau ou aucun? Qu'est-ce que tu me dis? Papa, le Seigneur... Claudia, sans cette carte, tu ne peux pas acheter un bonbon. Même pas une aiguille ou que ce soit dans le monde. Il existe un contrôle international, un réseau informatique mondial. Ils te traquent avec des détecteurs optiques. Et sois sûr qu'à l'heure actuelle, tu dois être sur une liste noire. Mais t'es égal. Je préfère respecter le Seigneur. Je t'ai demandé d'oublier cette religion. Allez, remplis ces formulaires. Je les déposerai moi-même à la poste pour demander ta carte. Je ne vais pas rompre le samedi. Et depuis quand ma fille me désobéit? Allez, fais ce que je te demande. Papa, laisse-moi respecter Dieu en paix. Tu es une idiote. Oh, papa, regarde s'il te plaît. Ce que ton église a fait de toi. Arrête, papa. Je reste. Dieu comprendra ma position. Je dois faire vivre ma famille. Comment pourrais-je faire sans travail? Le travail est devenu de plus en plus dur. De plus, je continuerai à servir Dieu le dimanche de toute façon. Il y a une église à côté de chez moi. Vous devriez peut-être réfléchir à la décision que vous prenez. Dieu est amour. Il ne veut pas voir souffrir ses enfants. Il veut que nous travaillions. Quelle différence y a-t-il entre observer le samedi ou le dimanche? Le plus important est de conserver un jour. N'est-ce pas, mademoiselle Renata? C'est ce que je pense. Quel dommage, Pedro. La Bible dit « Le juste vivra dans la foi ». Bien. Je pense que vous devriez signer vos papiers de démission. Tasia, qu'est-ce que tu fais, tu là? Salut. Je suis navrée, mais tu ne peux rien acheter. Pourquoi pas? D'après ce que je sais, tu fais partie de cette religion qui observe le samedi. Tu n'as pas le droit d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. J'appartiens à cette religion, mais plus maintenant. Oh, tu peux l'éprouver. Bien sûr. Juste une minute. Tu sais, Claudia, j'ai réfléchi. Je vais t'envoyer à la ferme pour trouver James. Je suis certaine que tu seras en sûreté là-bas. Mes excuses, tu peux y aller. Tout est en ordre. Tu pensais que j'allais mourir de faim? Ah, c'est clair. Tu as raison. La Bible annonce le retour de Jésus. Quand il est monté au ciel, les anges ont dit qu'il reviendrait sur les nuages. Personne ne peut se cacher de Dieu.
tous les signes de son retour nous sont apparus. Les cataclysmes qui dévastent notre planète nous montrent que le jugement dernier approche. La porte du pardon est toujours ouverte. Repentissez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus. Respectez sa volonté et vivez dans la foi. Ceux qui restaient à côté de Jésus seront persécutés. C'est ce que nous voyons se produire. Combien meurent à cause de leur foi? Mais n'ayez pas peur. Il vaut mieux être avec Dieu que sans lui. Rejetez ceux qui prennent parti pour Satan. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. La Bible dit que ceux qui croient en le Seigneur sont comme le mont Zion, qui ne peut pas être en branle, mais qui souffre pour toujours. Mesdames et messieurs les jurés, cet homme est dangereux. Dans une société où tous participent au bien de la communauté, cet homme refuse de travailler le samedi. Après de si nombreuses difficultés pour unifier les idéologies religieuses différentes autour d'un seul Seigneur, cet homme refuse d'observer le jour de la famille. C'est exact, mesdames et messieurs, il refuse d'observer le dimanche. Veuillez analyser la gravité du problème. L'accusé déshonore ouvertement et publiquement celui qui est ressuscité pour nous ce jour-là, notre Seigneur Jésus-Christ. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Veuillez continuer, maître. En même temps, l'accusé désobéit à celui qui a reçu les ordres de Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant, de changer le jour du repos du septième jour pour le premier jour de la semaine. Et tout le monde accepte cela? Tout le monde? Pourquoi pas lui? Pourquoi insiste-t-il à être différent? Vous comprenez? Tous de toutes les religions acceptent le nouvel ordre de Dieu, envoyé par son représentant. Pourquoi n'acceptez-vous pas? Vous voulez être libre? Vous voulez la liberté? Renoncez à votre foi, et les portes de cette prison s'ouvriront pour vous. Je vous donnerai un non-lieu. L'église vous protégera. Bien d'autres ont abandonné. Pourquoi pas vous? Pourquoi s'obstiner? Pourquoi s'obstiner, hein? Jésus est apparu le dimanche. Pourquoi s'obstiner à respecter le samedi comme il est écrit dans l'Ancien Testament? La loi de Dieu est éternelle. Jésus a dit qu'il est venu pour la renforcer, et non pour l'annuler. Je crois que tu ne sais pas vraiment ce que tu racontes. Jésus est apparu dans plusieurs endroits, personnellement, et il est venu pour dire qu'il a changé la loi du jour du repos du samedi pour le dimanche, en honneur de sa résurrection. C'est Satan, déguisé en Jésus. Il trompe des milliers de gens. Comment oses-tu parler comme cela de Jésus, toi grossier fidèle du samedi? Continue comme ça et je te promets, jamais tu ne reverras ton fils. Durant toute ma vie, messieurs les jurés, j'ai vu des bandits, des voleurs, des assassins venir dans ce tribunal. Ils étaient tous là, défiant ouvertement la loi.
Je n'ai jamais vu ça. Je le jure. Un homme comme celui-ci assis, aujourd'hui au banc des accusés. Et de quoi l'accuse-t-on, mesdames, messieurs les jurés ? De servir Dieu. De respecter le septième jour du Seigneur comme le premier jour du Seigneur. De refuser de respecter le dimanche comme jour du Seigneur. Nous devrions plutôt nous occuper des criminels en liberté au lieu d'accuser un homme innocent comme celui-ci. Relisez vos notes, mesdames, messieurs, et vous ne trouverez rien, absolument rien qui puisse discréditer sa vie. Cet homme est un citoyen exemplaire. Objection, votre honneur, cet homme est dangereux. Silence, silence dans la salle. Eh bien. Comme nous le disions, mesdames, messieurs, cet homme est innocent. Si nous avions tous la même conviction, notre société serait meilleure. Le monde a besoin d'hommes comme celui-ci. Il faut qu'ils vivent. Il faut les supporter dans leurs croyances. Ils sont fidèles à Dieu. Ce sont des hommes déterminés. Des incorruptibles. Des hommes qui ne se vendent pas. Nous gaspillons le précieux temps de ce tribunal avec un cas relativement très simple à résoudre. Qu'attendons-nous pour clore le débat ? La meilleure défense est celle que chacun se fait pour soi-même. Votre honneur, pourquoi ne pas me permettre à cet homme de parler ? Dans toutes les Écritures saintes, il n'y a aucune référence qui nous autorise à changer le samedi pour le dimanche comme septième jour de la semaine. Certains disent que le sabbat est une institution juive. Pas du tout. Bien avant, le peuple juif déjà célébrait le sabbat. Son origine remonte à la source de la création du monde. Dieu instaura le sabbat. Il le fit d'autorité comme seigneur souverain de l'univers. Notre Seigneur se reposa, bénit et sanctifia le septième jour de la semaine comme étant le sabbat. Dans sa loi, le quatrième commandement nous demande de respecter le sabbat, comme il le fit lui-même. Mensonge, votre honneur ! Que des mensonges ! Cet homme est un menteur ! Jésus ! Bien sûr que Jésus-Christ travailla le samedi. Il soigna les malades et permit à tous ses disciples, riches ou pauvres, de récolter du blé. Votre honneur, objection ! Mon collègue ne peut pas interrompre le témoignage de mon client. Contenez-vous, maître. Continuez. Jésus lui-même est le Seigneur du sabbat. Notre maître était contre les manières dont les scribes et les pharisiens respectaient le sabbat. Les saints apôtres eux-mêmes respectèrent le sabbat. À aucun endroit dans la Bible on ne peut trouver de mention clairement édictée d'un changement du jour de prière établi par Dieu, le jour de la création. Le septième jour de la semaine est le sabbat de Dieu, le Seigneur, un jour saint. Il a toujours été et sera toujours, que nous l'acceptions ou pas, le samedi est le jour du Seigneur. Personne n'a le droit de changer en quoi que ce soit la volonté de Dieu. C'est pourquoi je respecte ce jour. Je ne peux pas en faire autrement. Même si, pour agir de la sorte,
on me condamne à mort. Le procès dure depuis plus de 10 heures. Les jurés sont réunis et tout le monde attend le verdict avec impatience. Ceci n'est pas un cas unique de justice internationale. L'intransigeance de certains groupes religieux par rapport à ce qu'ils appellent les principes de la foi chrétienne ont fait que des cas similaires ont été jugés tous les jours. Voyons ce que les gens pensent à propos de ces cas précis. Excusez-moi, quel genre de verdict attendez-vous? Je pense que le procureur a fait un excellent travail et j'espère que les jurés feront preuve de bon sens et le condamneront. Je pense que 50 ans de prison, ça serait pas suffisant. Merci. Et vous, que pensez-vous? C'est dommage qu'il ait une vision si étroite des Écritures. Il semble être une si bonne personne. Merci. Nous avons des opinions très différentes. Chacun a sa propre analyse. C'est ce qui donne à ce procès des saveurs très différentes. Cette génération n'a jamais vu quelque chose de similaire. Voici quelqu'un dont l'opinion est importante. Il s'agit de Gerson, qui fut un membre de la secte des fidèles du samedi. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à cette communauté? Pendant plus ou moins 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait changer? J'ai compris la Bible d'une manière différente. J'ai compris que les doctrines ne sont pas si importantes. L'important, c'est l'expérience de chacun vis-à-vis de Dieu. Il faut le ressentir. Ressentir Jésus, qui est le grand maître de la vie. Et quant au procès d'aujourd'hui, quelle est votre opinion? L'accusé doit être acquitté ou condamné? Vous voyez, s'agissant d'un ami, je voudrais qu'il soit acquitté. Cependant, pour le bien-être de la société, il devrait être condamné. Qu'on s'en serve d'exemple. Les gens ont besoin d'unité. Il faut qu'ils se soumettent à la volonté du grand leader spirituel sur Terre. Nous en avons assez du sectarisme, des sectes isolées défendant leurs propres idées. Il faut penser au bien commun, à la paix. Et cela ne se produira que quand les gens de sa sorte seront bannis de la planète. Merci. Dans un moment, les jurés vont retourner à leur banc et nous allons connaître la conclusion de ce procès qui, il est vrai, a divisé les opinions. En tant que saint fidèle du samedi et comme transgresseur de la loi qui ordonne la sanctification du dimanche, je déclare l'accusé coupable. Silence! Silence dans la salle! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Si cet homme est coupable, au point d'être condamné à une peine réservée seulement à la classe de criminels les plus violents et les plus dangereux, alors je veux être condamné avec lui. Silence! Silence! Je n'ai jamais vu une innocence pareille dans toute ma vie. Je n'ai jamais entendu autant de vérité. Pour la première fois, la lumière a brillé dans ma vie. Je vais suivre le même Dieu et la même loi que cet homme défend. Ras-le-bol des croyants ici. Ils chantent, ils prient et ils essaient de nous convertir. Ferme-la! Toi, rentre! 684, dehors! 692, toi aussi! Tenez, en voilà encore deux pour vous divertir.
Le juste vivra dans la foi. Les clochards savent tant de fois qu'ils se sont enfuis. Tu as vu la photo? Ils sont allés à la messe tous les samedis dans des vêtements de marque. La Bible sous les bras. Oh la pauvre. Maintenant, il faudra qu'elle aille à l'église. Fermez-la. Ils ne sont sûrement pas loin. Elle, on se tire. Vous devez connaître les calamités qui dévastent notre pays. Nous ne savons pas quelle mesure doit prendre le gouvernement. La population est désespérée et la panique se répand. Et il semblerait que la situation est la même dans le reste du monde. Même les pays les plus riches ne peuvent pas faire face aux problèmes. Monsieur, vous, mes conseillers spirituels, que dois-je faire? J'ai poussé toutes les possibilités. Peut-être que Dieu connaît la solution. Nous connaissons exactement toutes les causes de ces problèmes, Excellence. Et nous avons quelque chose à vous proposer. Tous les pays du monde ont été requis pour exterminer ceux qui respectent définitivement le samedi. Lors d'un concile mondial, l'Église a conclu que ces problèmes ont été envoyés par Dieu comme signe de mécontentement divin à cause de ces fanatiques religieux qui refusent de respecter le dimanche comme véritable joug du Seigneur. En tant qu'enfants du Seigneur, nous avons fait tout ce que l'on a pu. Certains ont même été jusqu'à être torturés à mort, sans résultat. Le sang de ces gens ressemble à des semences. La vérité est que beaucoup d'entre eux abandonnent cette foi stupide, mais d'autres les remplacent et les sectes persignent aussi fort. Excellence, ils devraient tous mourir. Vous savez que la République démocratique de notre pays rejette la peine de mort. Excellence, réfléchissez. Ne croyez-vous pas que certains doivent mourir afin de sauver notre nation? Et que faites-vous des droits de l'homme? Monsieur le Président, ces lois sont abrogées en cas d'urgence. Ce que vous devez faire, selon les Écritures, faites-le rapidement. Utilisez votre pouvoir. Ce que vous devez faire. Plus vite nous supprimerons ces gens, plus vite nous obtiendrons la grâce de Dieu. Entendu? Mais est-ce que le Congrès approuvera ça? Nous parlerons avec nos représentants qui feront en sorte que nous ayons les voix nécessaires. Et de plus, tous les pays du monde feront exactement la même chose. Relaxez-vous, Excellence. Ces troubles vont bientôt disparaître. Je l'espère. La peine de mort. Mais monsieur le secrétaire, ceci est contre les droits de l'homme. Bon. Mais je ne suis pas d'accord. C'est bien. On appliquera la loi.
notre paquet de cieux. Protège nos frères qui souffrent en prison. Conforte les cœurs et ceux qui souffrent. Seigneur, restaure en nous chaque jour la joie de te servir. Que notre persécution ne soit rien comparée à la joie de savoir que bientôt tu reviendras nous chercher. Que les promesses du Seigneur continuent à s'accomplir dans nos vies. Amen. Vous donne finalement le droit de vous servir de vos propres mains. Le temps de la vengeance est arrivé. Mais alors, qu'est-ce qu'on atteint ? Oh, fanatique !
Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Hallelujah.
environ 1000 ans plus tard. Mon Dieu. Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Il y a quelqu'un ? Quelqu'un m'entend-il ? Une voiture ? Je pense que je suis seul ici. Pas aujourd'hui. Un ange ? J'adhère. Un ange au service permanent de Dieu. Ici, à cet endroit ? Depuis que le millénaire a commencé, la Terre a été isolée. Déserte. Vide. Il n'y a personne qui vive sur cette planète. Sauf les démons emprisonnés qui n'ont personne à tenter. Tu as dit que tu es un ange qui sert la volonté de Dieu. Que fais-tu réellement ? Je ne sais pas si tu peux comprendre toutes les implications du travail que je fais. J'imagine que ton travail est vraiment compliqué. Mais puisque tu es un ange, peux-tu me dire quel est cet endroit ? Le royaume que Satan voulait construire. Mais regarde ce qu'il a obtenu. Sauvage, chaotique, sans vie. Nous sommes dans le cimetière de ta ville. Cimetière ? Alors je connais les gens qui sont enterrés. Des parents. Des amis. Texera Rodriguez, La Carioca. Monsieur Timothy, le vieil homme de la boulangerie du coin. Et celui-ci, pourquoi est-il ouvert ? Celles-là appartiennent aux gens qui sont ressuscités quand Jésus est revenu sur la terre. La première résurrection ? La résurrection des justes. Je vois. Lucia de Paola ? Cette femme est une... Comment est-elle montée parmi les justes ? Le paradis est plein de surprises, Lucas. Lucie s'est repentie de sa vie de dépravée. Elle abandonna le péché et se donna complètement à son sauveur. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont ressuscités et ceux qui demeurent parmi les morts, et qui attendent leur résurrection vers la mort éternelle.
Arlindo Lopez. Frère Arlindo, le doyen de l'église. Comment n'est-il pas ressuscité? Cet homme était exemplaire, il prêchait très bien. Il était professeur de catéchisme. Je me souviens que beaucoup de monde allait à l'église influencé par lui. Pourquoi? Il avait une double vie. Des péchés dont personne ne se doutait. L'Esprit Saint a travaillé très dur sur son cas, mais ne lui a pas permis de se repentir. Il ferma son cœur concernant son destin éternel, du côté des ennemis de Dieu. Et celui-ci, qui est-il? Vu la date, il semblerait qu'il était jeune. 22 ans. Comment le sais-tu? Lucas de Albuquerque. Est-ce que j'ai bien lu? Tout à fait bien, Lucas. Que s'est-il passé? Hélas, je dois reconnaître que c'est ta tombe, Lucas. Mais elle est fermée. Ça veut dire que je suis perdu. Je ne me souviens de rien, de rien. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais à moto. Oui, j'étais sur une moto et... Lucas, j'ai été désigné pour être ton ange gardien. Alors tu sais tout de moi? Pendant 22 ans, tu as été une partie intégrale de ma vie. Ce furent des jours merveilleux quand ma mission principale était de prendre soin de toi. Quand ton père abandonna ta mère, tu as souffert énormément. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? On ne peut rien faire contre le principe de la liberté. Chaque personne choisit sa propre destinée. Toi, par exemple, quand tu as grandi, tu as abandonné lentement le chemin de Dieu,
Tu t'es tourné vers d'autres choses qui finirent par détruire ta vie. La drogue et les trafiquants. Mais je pensais que ces gens étaient mes amis. Je voulais devenir riche. Mon intention n'était pas d'abandonner Jésus. Je voulais profiter, jouir de la vie, profiter de ma jeunesse. Je voulais vivre. Vivre comme tout le monde fait. C'est exactement ce que Jésus nous offre. La vie éternelle, la plus grande de toutes les richesses. Comme toi, Lucas, des millions de personnes perdent la vie éternelle, préférant vivre une vie de plaisir éphémère et provisoire. En voulant la vie, ils choisissent la mort. Ils prennent un chemin large au lieu d'un plus étroit. Ils recherchent un trésor, mais ne trouvent que du moisi et de la rouille. Où sont-ils? Ils sont ici, dans la terre. Mais Jade, pourquoi ne m'as-tu pas empêché? Oh, Lucas. Cette fameuse nuit, j'ai fait passer la trajectoire de ta vie dans ton esprit à cet instant. Mais tu n'as pas compris. Et au dernier moment, j'ai pris la forme d'un être humain pour essayer de te sauver. Salut. Bonsoir. Vos papiers, s'il vous plaît. Oh oui. Oh, vous alliez très vite, n'est-ce pas? Bien, vous savez, officier, je suis un peu pressé. Vous savez ce que c'est. Lucas.
Je ne verrai jamais les gens que j'aime. Je vais cesser d'exister pour l'éternité. Oui, Lucas. Mon cœur a vraiment un grand vide. Une douleur indescriptible. Une perte irréparable. Mon désir était de te recevoir au paradis. Te faire rencontrer Jésus. Je voulais te parler pendant des heures sans fin. Tant de choses à partager avec toi. Je brûlais d'envie de te montrer le ciel. Les anges. Les palais. Enfin, toutes les choses merveilleuses que ton esprit raffiné ne peut même pas imaginer. Je n'ai aucune chance ? Non. Malheureusement, non. La porte du salut s'est refermée, il y a 1000 ans. Tous les gens sauvés sont bien vivants. Pardonnés et récupérés pour toujours. Et les perdus ? Morts dans cette terre désolée et vide, attendant la deuxième résurrection. L'éternelle condamnation de laquelle tu feras partie. C'est quoi cette musique ? Les 1000 ans sont passés. La nouvelle Jérusalem descend des cieux. Jade, ne pars pas, Jade. Ne me laisse pas ici. Jade, s'il te plaît, reviens. Reviens. Reviens, Jade.
Quel cauchemar. Perdu pour toujours. J'ai connu Jésus depuis le début de ma naissance. Pourquoi est-ce que je vis ce christianisme rabais ? Cette double vie de chrétien. Mais je suis vivant. 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 Seigneur, je te remercie pour cette autre chance. Merci pour ton pardon et pour la garantie de la vie éternelle de Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque lendemain. Amen. Tu peux m'emmener ? Bien sûr. Grandes são as diferenças que a vida nos impõe. Nós podemos aceitá-las ou fazemos divisões. Eu não sei quem você é. Nem o que pensou de mim
mas é bom que unamos forças pra chegar até o fim. Chegar ao fim, pois o céu será assim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unidos, e o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Cada dia, cada situação, jogando preconceitos para trás, trocando censuras por abraços, destino a guerra com fim da paz. Testemunhando a cada dia um pouco do que verei afinar. Os inimigos se abraçarem, fazendo o bem, vencendo o mal. Vida e o amor, e o sonho sem fim.